J'ai effectivement l'impression qu'il a entendu le message donné par les Français. Alors après, d'ailleurs, je regrette qu'on n'ait pas parlé un peu plus de l'Europe, hein, ne serait-ce que sur des questions aussi importantes que sur le budget européen, que sur la question de l'euro, que sur la question de la taxation des transactions financières, qui est y compris un sujet du jour. Mais bon, je comprends qu'on ne peut pas parler de tout. Je trouve que sur le fait d'assumer sa ligne politique... Bon, il y a quand même là tout à la fois une écoute sur la forme et en revanche sur le fond de la politique, il n'y a pas grand-chose de nouveau. Et y compris, bien sûr, on pourrait aussi dire c'est les questions qui veulent ça. Et je constate que Jean-Jacques Bourdin doit être content parce que la promesse a été tenue. Je pourrais même dire pour sourire que le président tient ses promesses avec du retard, mais il tient ses promesses.